Information dans le pays d'Haïti, vague kidnapping reprend service. Gagné Madame Kael Jean-Baptiste, qui est gros animateur, vedette dans Radio Télé Caraïbes. Bandit et kidnappé le dimanche. Eh bien, yo la gueule hier soir. Donc, c'est une bonne nouvelle pour toute famille, Madame Kael Jean-Baptiste, avec l'équipe Radio Télévision Caraïbes. L'autre information, nous connaissons vague information, c'est question conseil, nouveau conseil électoral provisoire qui lui-même a fait vague dans le pays d'Haïti. Après, président Jovenel Moïse, fin sauté, yon arrêté et côté l'innommé 9 membres nouveau conseil électoral provisoire. Faut nous disons, et mais c'est presque tout secteur dans la classe politique là qui n'a opposition. Excepté que si la yo qui a marché avec pouvoir Jovenel Moïse là, mais yo même yo voyez j'étais en bloc nomination conseil électoral provisoire ça, yo qualifié de tout mot d'Israël, puisque d'après ça et parti politique ou fait qu'on est, eh bien c'est une véritable agression, une flagellation, une violation et déjà et mais au fait sous constitution pays à les autorités prend décision, président prend décision, mettez arrêté ça d'ailleurs si tout pour yo allemagne maman loi pays. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, en attendant nous rentrer dans information, n'a invité au continuer brancher, continuer abonner ou à canal information sans fausse côté à de manière à ce que nous capables continuer pour tes bons gens information frais clair coup de coq pour ou même qui déjà abonné ou à canal là nous dit merci et pour parce que vous abonnez et si là yo qui pourquoi abonner n'a invité nous pour nous abonner de manière à ce que chaque nouvelle vidéo nous publier la privée joignez-nous de façon automatique. Jean nous annoncé au lit autorité yo dans pays d'Haïti dans pouvoir apé yo et bien a mettre vitesse là pour que yo aller vers réalisation élection dans pays d'Haïti. Et bien entre-temps gagné vague insécurité à lui-même qui a continué faire parler des lits dans pays d'Haïti. Puisque question kidnapping nan qui te fait yon ti bese, eh bien, li retourne encore pour la plus belle nan région métropolitaine nan. Eh bien, c'est comme ça, eh bien, pendant le week-end nan, dimanche, genye yon équipe bandit, personne moun pas identifié, kidnapper, eh bien, qui yon même te mette la patte sous Madame Kael Edmond. Jean-Baptiste, animatrice vedette de Radio Télévision Caraïbes, bien côté yo té parti avec yo libéré nan hier au soir. Donc bandi yo té mandé $2 million pour que yo té libéré madame Kael Jean-Baptiste. Donc nous pas arrivé qu'on est si c'est l'agent, si c'est contre rançon yo rivé libéré et madame Jean-Baptiste, mais ça qui certain c'est que li libéré et madame Kael Jean-Baptiste lui-même qui réjouit de libération parlait de un véritable miracle bon Dieu fait dans ville qui fait que li sauvé li alors li libéré. Donc et en pile monde était à constater vidéo madame Kael Edmond Jean-Baptiste qui a circulé sur réseaux sociaux côté bandi yo même yo te prend madame Jean-Baptiste yo mari Demel li couché yo mette le couché sous yon cabane côté li te gagné yon jean sous li yo bande yeux avec tout yon maillot que li te gagné sous li donc côté yo te mette le couché sous yon cabane donc yon situation qui accablé en pile citoyen nan pays d'Haïti dans région métropolitaine nan, puisque vague insécurité a li pas suspend fait parler des lits nan pays d'Haïti pendant autorité nou nan pays a yo même y a parlé des questions élection. Donc c'est yon climat la pérèse qui fait en pile moun effrayé puisque pa gen moun ki konnen ki côté situation ça li pralé. Donc bon gens nouvelle pour toute famille madame Kael Jean-Baptiste pour toute
équipe Radio-Télévision Caraïbe, avec tout animateur, tout le monde qui travaille dans le domaine média dans le pays d'Haïti, et pour tout citoyen haïtien en général, puisque l'insécurité a concerné tout le monde. Eh bien, Madame Jean-Baptiste joigne libération hier soir côté li rentré la caille. Faut que nous disions, gagné en pile cas kidnapping, yo rapporté pendant dernier jour ça yo qui eh bien et a frappé dans diverses zones dans Port-au-Prince côté industrie kidnapping ça li a frappé. Donc yo signalé plusieurs cas qui fait dans zone Nazon, Delma 31, Delma 37, route frais. Donc d'après toute information yo et pifo moun yo kidnappé yo c'est dans zone village de Dieu avec Grand Ravine, certaines fois dans cité Soleil et quelquefois tout c'est dans zone Canaran yo mette moun yo al caché. Donc ça fait un bon petit bout de temps et bien situation ça la Perez climat la Perez kidnapping ça vague kidnapping nan, à côté que de bandits qui a tiré moun plusieurs côtés dans pays a mais vague kidnapping dans lui-même il était fait yon ti campé mais il reparaît pour la plus belle. L'autre information c'est question et élection autorité yo mette eh bien cap vers réalisation élection pour l'année 2021 janvier 2021 côté yo mette campé. Yon conseil électoral provisoire, président Jovenel Moïse mette campé dans date 18 septembre qui s'est passé à la. Donc, en pile moun nan classe politique là, eh bien, yon dit, nouveau conseil électoral provisoire ça, yon, disons, désapprouvé, puisque yon dit, c'est une décision président prend pour compte li et tout membre qui fait partie, tout neuf membres qui fait partie conseil électoral provisoire ça, eh bien, c'est moun président d'après ça, yon fait qu'on est. Donc, faut que nous disions, et c'est comme ça, ouais, décision, on a parlé des différents secteurs dans la société, à différents partis politiques, avec organisations dans la société civile, là, on dit décision, le président Jovenel Moïse prend, mais pour le mettre campé, un conseil électoral provisoire, pour compte lui, sans accord, aucun secteur dans la société, a, eh bien, pas suspendre, soulever réaction, eh bien, pour condamner action unilatérale, gros poignet yo dit chef l'état lui-même li prend pour que li mette campé conseil électoral provisoire si là excepté ambassade américaine avec yon parti qui regroupement parti politique qui les consortium parti politique et mais qui yo même tout fait partie de antenne parti politique PHTK gagné mais qui lui-même approuvé décision ça eh bien et tout l'autre parti politique yo tout secteur yo même yo dit yo pas d'accord avec décision ça président prend pour mettre campé nouveau conseil électoral provisoire. Donc faut que nous disons dans un tweet li publié hier ambassade américaine li même li bat bravo pour eh bien et question conseil électoral provisoire ça président Jovenel Moïse mettait campé eh bien pendant li dit mais la tonne et publication décret avec calendrier électoral là et eh bien qui lui même dans objectif pour que autorité yo rive mettait campé parlement et bien le plus vite possible. Donc sous Bopal gagné Jean-Tel Joseph yon nan responsable consortium et national parti politique yo et bien li même li fait connait c'est un bon bagay les présidents choisi mette campé yon conseil électoral provisoire pour le faire élection. Donc li dit c'est un bon signe nan question démocratie, c'est déclaration Jean-Tel Joseph qui c'est un responsable consortium parti politique. Sous Bopayo, Pifo, parti politique dans opposition parmi yo gagné OPL, Mokrena et gagné secteur démocratique avec Populaire, gagné Fusion Social Démocratio, gagné AAA, parti Yuri Latodia, gagné Uniforce Paul Denis. Pour ne citer pas ça seulement,
yo déclaré eh bien arrêté et derrière dos la loi si la président Jovenel Moïse mettait dehors pour camper KEP conseil électoral provisoire. Donc c'est un gros choc pour yo puisque c'est une décision unilatérale cap la pays dans plus crise dans plus la troublaille. Donc pour parti politique ça yo eh bien président Jovenel Moïse coupable de haute trahison à cause li enfragile constitution pays d'Haïti alors que l'idée eh bien est cémenté pour te respecter et puis pour te faire respecter constitution pays d'après parti politique opposition yo qui désapprouvé décision président Jovenel Moïse qui mettait campé un nouveau conseil électoral provisoire pour contre lui pour le faire élection et bien yo dit décision ça montré à clair c'est un acte qui montré à clair eh bien chef l'état lui-même li c'est un dictateur pour yo porter une réponse à projet coup d'état électoral si là mais parti politique yo dit yo pral mobiliser toute force pour yo faire échec à projet élection piqué collé si là nous invitons au côté Daniel Siria qui lui-même c'est porte-parole OPL qui lui-même qualifié de une véritable agression eh bien chef l'état fait sous population à parti politique avec tout Victor Benoît lui-même qui c'est responsable RSD Rassemblement Social Démocratique qui lui-même mandé et parti politique yo mandé différents leaders pour pas céder à pression gouvernement américain principalement ambassade américaine nous invite à écouter. Nous signons notre ça pour nous dire président Jovenel Moïse conseil électoral inconstitutionnel et illégal il y a un deuxième objectif peut-être pour capable faire les États-Unis plaisir parce que Donald Trump dans le cadre combat électoral l'a mené là aux États-Unis politique étrangère important pour lui il a besoin à que gagner une grimace politique qu'a fait en Haïti pour lui dire dans la campagne électorale que démocratie a marché en Haïti, que élection a fait en Haïti, pour le passer dans actif libre. Formation conseil électoral, Jovenel Moïse là, les soutient environ 24 heures après les États-Unis fait pression sur toute politique en Haïti, sur toute société haïtienne, non, pour t'accepter embarquer dans l'élection malation avec président Jovenel. Conseil électoral, ça a gagné pour rentrer dans les poubelles avec président Jovenel, au même titre qui gagnait pour quitter pouvoir obligatoirement le 7 février 2021 au plus tard. Son véritable provocation, son véritable affront et agression même. Dans le moment que pouvoir lui-même, les gangsteriser tout le pays, licencié créer propre terrorisme qui censé avoir détruit la population, marché pour les caïmoun de la population, c'est à la fois une agression politique et son provocation. Je veux dire, la solution au problème haïtien, les papes sautent de l'autre côté que dans la concertation nationale la plus large. Nous pas qu'à occuper ni le pouvoir en place là, ni les États-Unis sous question élection avec le président Jovenel et PHTK. Il y a trois facteurs qui sont importants pour parler de l'élection. C'est question sécurité. Deuxièmement, le système électoral là, lui-même que le régime n'a crasé déjà. Donc, pas gagné un système électoral qui existe aujourd'hui. Il y a un facteur temps qui est très important. Il y a un pouvoir qui gagne à peine 7 mois pour passer au pouvoir. Et un pouvoir qui est entièrement contesté. Il n'est pas capable de parler du monde de l'organisation de l'élection. Pour lui, arriver à organiser les élections, moyen constitution, de manière arbitraire, malgré toute opposition que je joigne. Ce n'est pas une stratégie qui conforme à la démocratie, qui conforme à la constitution. Donc, la profonde pays a non cru. Il y a sur le plan constitutionnel, Monsieur Jovenel, en sa qualité de président de la République, il n'a pas le droit de décider de faire référendum, interdit par la Constitution. On absorbe son texte, en même temps, faire référendum à la Constitution, en même temps, violer l'autre. La Constitution interdit le référendum. La Constitution dit que le président n'a pas le droit d'attribution de Charles Bali. Il n'a pas d'attribution pour lui décider qui ça, CEP, qui peut le faire. Il n'a pas le droit de faire. CEP, là pour organiser l'élection seulement. CEP n'est pas là pour la pencher sous question du référendum constitutionnel. Son deuxième violation, flagrante. Nous ne pouvons pas qui base, que M. Féchois-Farou. Mais M. Féchois-Farou, CEP présidentiel. CEP Pali, CEP permanent, pour voir les trois grands corps de l'État qui vont participer à la mise en place de ce CEP. Et quand il s'agit du CEP provisoire, ce sont les institutions et les secteurs
moyennant accord politique. Il ne pas fait ça, il fait le pour côté. Donc son équipe s'est constituée avec mon palais. Voilà, appliquer ces quatre volontés. Ce ne sont pas des conseils électoraux, c'est 9 personnes que M. Brun qui pourraient appliquer ces quatre volontés. Préparer ces enfants pour les Japonais. Liste mon capel déjà préparé au palais. Pression menace. Pour le cas de prise sur le gouvernement américain dirigé par M. Trump. En ce moment, les propositions claires. Sur l'échiquier politique haïtien, les appuyer Jovenel pour ça la fête. On y a là, c'est faire menace sur les acteurs politiques en Haïti pour entrer dans le processus électoral. Qui sera bien en nous, qui sera capable de faire. Papa mon visa et annuler visa, il sera capable de faire. Il y a mon capable de la situation, nous garantissons, il y a mon prix à tous. Il y a un haïtien qui est facteur toujours. Qui est capable de Haïti d'abord. On va penser que au niveau de l'opposition politique, par exemple, le monde va changer de position vis-à-vis des élections mascarades qu'a préparé à cause de menaces du gouvernement américain. Sous Bopal gagné Rassemblement démocrate national progressiste, leader RDNPA, Éric Jean-Baptiste, eh bien, lui-même, secrétaire général là, lui dit, lui mandé, mais pour président Jovenel Moïse, pour entrer, eh bien, décret ça, lui-même, lui mettait des yeux qui formait conseil électoral provisoire. Donc RDNP dit li kwè nan yon entente ki kapab fèt antre tout secteur nan vi nasyonal la pou sove nasyon ayisyen. Éric Jean-Baptiste li di li kwè ke sa ki pi important jodi a la se yon entente nasyonal pou sove peyi a. Donc li di desisyon sa a, men la foure peyi a nan tout pi red nan ke sa liye deja. Nou invito koute Éric Jean-Baptiste. Rassemblement démocrate national progressiste RDNP constaté ak la pen et révolté jan régime sa a fouraye peyi a nan yon katastrofe ki san parey. RDNP kwe nan demokrasi qui donc alternance parti politique sous pouvoir grâce à organisation bon gens élection dans bon condition qui c'est route stabilité à la paix. Régime ça pral courir sous 10 ans plus l'autre qui était en vain totalisé 30 ans depuis a créé toute condition pour yon pas jamais mettre campé sous pied un conseil électoral permanent. Mamel gauche, article transitoire 289 dans la Constitution 1987, là, qui était supposé utiliser une seule fois, douce dans la bouche, sans entendre consensus à force politique yo et société civile là. Nous constatons Piwet Lougaou Karanklou pour nommer le 22e conseil électoral provisoire qui pi mal a mandat pour organiser référendum sous constitution. Ça qui viole l'article 284-3 qui dit toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite. RDNP, qui est leader qui a mené bataille pour gagner l'autre Constitution, content constater plus fort classe politique, la société civile, la, d'accord pour nous rebattre quatre Constitutions pour nous sortir. Dans Galimatia KPIA à Koukouman. Mais, ça suppose faire dans le cadre d'un accord politique ou au moins un large consensus. Réforme constitutionnelle, pas qu'à faire dans le conjoncti ça en dehors consensus entre force politique, sociale et économique PIA. Qui coûte quand la zone exécutif là, elle a une majorité dans le Parlement pour te faire amendement, il n'a pas ni tenté faire, ni encourager disposition qui te prend pour ça.
est-ce que c'est pouvoir à vie y a préparé décision pour manier maman loi pays a sans une entente politique disposition claire coup clair rose dans qui condition ça fait si tout avec un pouvoir qui pas gain confiance classe politique là société civile là et population en une manière générale a rentrer pays a dans un tourbillon violence non pas même cap imaginer aucun pompier même ça bien équipé avec bon gens hélicoptère pas cap éteindre du fait cap limé dans Paris pour là cap gain pour conséquence déstabiliser Zilea et par extension toute région RDNP mandé l'État qui lui fait voler, rentrer, arrêter, abser sous cloussa. Travail pour rétablir un climat de sécurité, dans jouer une solution à problème gang yo. Traquer gang bandit illégal dans tout gang yo. Pacifier pays. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, Nabdiou, réaction yo pas suspend tombé depuis le président Jovenel Moïse, lui-même, il était fin, mette campé, nouveau conseil électoral provisoire ça. Faut que nous ayons gagné et Fondation J'éclairé, FJKL, lui-même, lui condamné, lui-même tout, décision président Jovenel Moïse pour que lui mette campé un conseil électoral provisoire avec moun pal seulement dans conseil ça d'après FJKL qui croit que lui-même croit mandat nouveau conseil électoral provisoire ça, lui violer constitution pays. FJKL, la poursuivre pour le dire, mais il ça a porté étrangement un mauvais souvenir qui fait le songer régime Duvalier qui au même te bail tête yo droit pour te prévenir président à vie dans pays d'Haïti. L'autre réaction qui continue de tomber, c'est la réaction collectif ancien député dans l'opposition avec Allié Lio qui a même écrit président de la Cour et cassation, M. René Sylvestre, pour Mandel. Pas fait suivi aucun document, aucune demande qui concernait et prestation sément nouveau conseil électoral provisoire, 9 membres nouveau conseil électoral provisoire. Donc différents secteurs qualifiés de situation ça de constitution nouveau KEP ça de yon complot d'après ça yon fait connait. Toujours concernant conseil électoral provisoire, il faut que nous disions qu'il y a une décision qui prend là, dans le niveau parti Racine Campepla, qui vient en tête li, professeur Camille Chalmers, eh bien, li mette de yo, et parti ça, et Racine Campepla mette de yo, et dans parti ya, madame Guirlande Mesadieu, avec Antonal Mortimer Demounzaro, c'est un couple, c'est madame Akmouche, eh bien, parti Racine Campepla mette yo de yo dans parti ya, d'après sa parti a dit pour tête trahison ou ta trahi parti a le yo allé yal fait parti membre conseil électoral provisoire président Jovenel Moïse mette campé. Donc c'est comité central parti Racine Campepla qui prend décision ça mais compte deux membres ça yo li estimé qui quitter ligne parti a et puis qui prend de yo pour yo responsable PYDH avec fédération et protestante d'Haïti, eh bien, yo même tout, yo prend distance par rapport avec moun qui désigné pour yo représenter eh bien secteur nan nouveau secteur sa yo nan nouveau conseil électoral provisoire président Jovenel Moïse mette campé. Donc deux secteurs sa yo qui c'est secteur droit moun avec secteur qui réformé yo dit
yo pas jamais participé dans aucun processus pour intégrer nouveau conseil électoral provisoire. D'autant plus, ils ont posé conditions pour que ils soient capables d'intégrer le nouveau conseil électoral provisoire, qui c'est même condition, mais tout secteur a demandé, qui c'est, mais il y a un nouveau contrat, une nouvelle entente avec différents secteurs dans la vie nationale là, et bien, il y a une entente largement large pour te permettre tout le monde d'être capable, et bien, aller dans la question élection dans le pays d'Haïti par rapport à crise politique, sociale, économique et question insécurité lui-même qui a gagné pays d'Haïti. Faut que nous disions et dans courant journée, eh bien, t'es gagné rendez-vous qui t'est cassé dans le palais national pour que 9 membres